Donc on va faire un peu de Twitch, un peu de jeu aussi. Je découperai les vidéos, hein. Je sais pas trop comment on fait pour le temps. Hop, on est en train de suivre ce Game One. Je vais vous montrer la bande-annonce découverte avec vous en avant-première de Infinity Wars et Marvel. Venture qui vient d'être publié il y a 1 heure. On va regarder le zapping et puis écouter Game One en direct, Team Game One. Il y a un bon match de foot, gestion de la vidéo, on va mettre IRL pour l'instant. Absolument, putain, comme par hasard, il y a Tic et Tac aussi. Ok, la taupe, guichet. Ah, sa mère. La souris, là, elle est pas du tout infrarouge, elle est pas laser. Non. Je pourrais suivre le chat. Sa mère. La souris, là, elle est pas du tout infrarouge, elle est pas laser. Non.
There was an idea.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles. That they never could. And you. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right. Mais il a quoi ton bidon là? Va manger si t'as faim.
machin. Il est trop choupinou. Sponsor. Sponsor forcé. J'ai gagné le tournoi et à la fin du tournoi, on m'a appris que j'avais tapé deux des meilleurs joueurs français en fait en demi en finale. En plus de ça, j'avais une manette, c'était surpris ça à l'époque. J'ai joué avec une manette, j'avais pas de LBR2. J'avais cache ta manette, faut pas qu'ils voient, tu peux pas te servir d'LBR2. On me cache un peu. Ouais. Excellent. C'est énorme, non, mais alors ça c'est excellent. Et au final, voilà, après la carrière, elle a démarré. Bah ouais, ça m'a lancé, on va dire. À ce moment-là, tu t'es dit, tiens, là, je vais peut-être aller un peu plus dans la compétition. Bah, déjà, j'ai acheté une manette avec un bug. Ouais, bah, vu que j'avais battu deux des meilleurs joueurs français, non, ça aurait pu être un accident. Deux, tu te dis qu'il y a peut-être un petit truc à faire, surtout que c'est en aller-retour. Donc voilà, ça va plus en continuer, si c'est bien passé. C'est que moi, à l'époque, je faisais PES League et tout. Ouais. Avant d'arriver à Gameroy. Sur Mega Drive. Et ouais, sur Mega Drive, bien sûr, je me souviens. Premier jeu de foot, je crois que c'était une vue, tu sais, un peu aérienne comme ça. Quand tu tirais, bah, il y avait toujours but. Mais c'était 3D isométrique. C'est ça. 3D isométrique. J'aurais pas dit mieux. Moi, c'était World Cup sur NES, avec les où tu faisais les tirs de l'ex, ça défonçait tout le monde. Mais celui qui m'a marqué à l'époque, le premier jeu de foot, je me dis, au niveau du gameplay, il y a quelque chose, c'était Super Soccer. Je suis pas une belle note, je vous rappelle. Oui, c'est vrai, il y avait un beaucoup Super Soccer avec mes frères. Ouais, c'est vrai, Super Soccer, moi j'adore. Moi, je jouais beaucoup à Kickoff et Goal. Kickoff. Ouais, et voilà, le monde Le monde est bleu. Le monde est bleu. Le monde est bleu, mon frère est champion du monde du monde est bleu. Il n'y a qu'une seule compétition. C'était en 90. C'est familial. Et ouais, les champions du monde ont gagné une pièce de collector pour info. Rouge. Rouge un peu genre carrosserie de bagnole. Ouais. Édité à plus de 2000 exemplaires. Et Demonix, notre community manager, m'envoie des messages tous les matins pour dire combien tu me revends. Il veut la gratter. C'est vraiment des gratteurs. Notisoft qui dit à quoi joues-tu en ce moment à titre personnel pour Bruce? Mario Odyssey. Ah. Je suis dessus en ce moment. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Moi j'adore les Mario. Il n'y a pas de ballon dedans, comment tu fais? J'ai plein de trucs et l'autre jeu, bon, là c'est du multi Fortnite en ce moment. J'essaye de m'y mettre, c'est compliqué. Ah ouais, Battle Royale. Mais ouais, bah, à la base là c'est un Z1 et tout. Mais on y a joué pas mal, on aime bien. C'est défoncé, mais on aime bien. Et Fortnite, je trouve ça cool. Ça, c'est des trucs que tu fais juste pour toi ou tu les fais en stream aussi? En stream, non, en stream. En fait, vu que je stream pas mal, je joue quasiment plus à côté, sauf avec la Switch, c'est pratique, hein, dans les transports et tout, c'est cool.
Mais sinon, principalement dans la vie. Et le FIFA sur Switch, un avis ou pas? Bah, il est bien, franchement, il est bien parce qu'en vérité, il reprend quand même complètement le gameplay des autres versions consoles. Et moi, ce que j'aime bien dans cette version-là, c'est que tu as vraiment un grain au niveau des graphismes. C'est super agréable en fait, je trouve. Ça fait pas tout seul de salon, mais ça fait vraiment assez original et j'aime bien pour les transports et tout. Et toi, tu joues à quoi un peu comme Bruce en ce moment. Ouais, Fortnite, là, je viens de l'installer. Sinon, je joue beaucoup à League of Legends aussi. Je suis un peu piqué. Et sinon, je joue aussi à. Je suis sur Rayman Legends en ce moment sur ce truc. Ouais, en fait, vous jouez à ce jeu. En général, quand on est joueur de FIFA, on est assez dans les choix, on joue un petit peu à tout. On peut faire un FPS, on peut faire un jeu de rôle. On a notre sondage, rappel du sondage pour la spéciale Star Wars, donc le 13 décembre. Vous êtes les bienvenus si vous voulez, mais il faut venir costumé. Et là, pour l'instant, dans notre sondage, c'est Genius qui est en tête, suivi de Marcus pour être en Chewbacca le 13 décembre. Moi, je trouve que Marcus en Chewbacca ça passe et toi en Cisco sur les deux. Les amis, il y a la deuxième mi-temps de notre match contre Brack et Bruce. Vous allez voir, ça va être la folie. On bat les barres, dans les barres, il n'y a pas de script. Mais avant cela, courte page de pub. Et on se retrouve juste après avec toute la team des moines. Il y aura le Jijou, Jijou pas. A tout de suite. Découvrez notre gamme de jeux d'éveil Plutif Junior en bois de qualité issu de forêts gérées durablement. Ludiques, ils stimuleront la motricité et la logique de vos enfants. Jeux ou puzzle en bois Plutif Junior, 4,99€. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. À l'école, ma petite fille avait des ciseaux pour droitier. Elle n'arrivait pas à s'en servir. Elle ne se sentait pas intégrée. Je lui ai donc acheté des ciseaux de gaucher. Elle a vite compris comment s'en servir. Putain, mais c'est une blague! Et aujourd'hui, elle est vraiment à l'aise. Vous réagissez, vous dites si ça vous tente ou pas. On commence avec Doom. Doom VFR, qui est tout simplement la réalité virtuelle, mais façon Doom. C'est le Fast FPS où vous avez une immersion totale. Ce sera compatible avec le PlayStation VR et le HTC Vive. Pas l'Oculus, parce que Bethesda et Oculus ils sont actuellement en litige. Qui va le faire ou pas? Déjà, je demande à nos invités, Brack et Bruce. Ouais, Doom, ça pourrait être pas mal. Ça aurait été un Half-Life, j'y serais allé direct. Mais, ouais. En VR, vraiment, en réalité virtuelle, ça te tente. Et toi, Bruce? Ouais, bah après, c'était dans un autre délire, mais j'avais fait le Resident Evil en VR. J'avais bien kiffé, par contre, je trouve que c'était plutôt bien foutu. Donc, ça me chauffe bien. Vous, la VR, ça nous tente, j'ai l'impression. Ouais, du coup, est-ce que vous rêvez d'un. Par exemple, une option VR dans FIFA. la question automatique, tu sais. Ça pourrait être cool. La dernière fois, on a testé FIFA sur un écran super large de Vegas et on voyait tout le terrain. En VR, je sais pas ce que ça donnerait. Moi, je suis un peu.
Où t'as un joueur avec vous, t'es juste un peu sur le terrain, ça peut être. Oui, et puis tu vois l'action qui est un dédié en fait. Ça fait très bien. Après, c'est vrai que des tribunes, comme le dit Marcus, ça pourrait être intéressant. Spectateur. Non, mais spectateur, mais pour jouer aussi. C'est-à-dire, t'es comme au stade, mais tu diriges les gars parce que t'as une vision globale sur le stade quand t'es dans un vrai stade. Oui, mais vas-y, avance. Je connais ça sûrement, les vrais matchs. Ça existe déjà. Ouais, Thierry qui est en coulisses, qui travaille déjà dessus. On a une question d'un téléspectateur avec question de Cédric qui dit les déplacements dans Doom VFR sont-ils uniquement en téléportation? C'est la bonne nouvelle, justement, ces déplacements libres, c'est ce qui change vraiment toute la sensation du jeu. Et ce qui, c'est, ça me donne vraiment envie de jouer à ce Doom. Tout le monde qui l'a testé, vraiment, on dit que c'était fabuleux, c'était super bien foutu et ça file pas la gerbe avec les côtés. Des placements un peu chelous qu'il y avait dans le jeu de Diane Dinosaur, là, comme c'était le. Il y a Robinson, et au niveau dynamisme gameplay, il y a Doom. Doom, est-ce que c'est pas un petit peu trop rapide pour faire de la réalité virtuelle? De toute façon, ceux qui jouent à Doom de base et qui sont pas habitués au fast FPS, ils ont un peu de mal. Alors, après, c'est encore pire, parce que t'as déjà un peu la gerbe sur des jeux normaux. Ouais, mais justement, les sensations que t'as, tu vois les monstres qui arrivent, tu recharges ton arme, t'as rendu les airs futuristes, franchement, ça a l'air fabuleux. Ah, tu le fais en plus.
la prunelle. Je suis fan de dos, mais je le ferai direct. Au niveau gerbomètre, on a 9,5. C'est d'être tout long et tout. Et en fait, t'as l'impression d'être sur un bateau. Mais plus c'est une mal de mer qu'une mal de mer. Aujourd'hui, j'ai deux journées, t'as écrit 40 et 30 tout. J'ai le terrain là, t'es qu'à la fond, t'as le droit. Ouais, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Ouais, mais c'est parce que j'ai tellement pris, t'as trop peur parce qu'il y a des gens qui viennent te sauter la tronche. T'as ton flingue et tout, je sais pas si c'est un en BR, je suis sceptique. Le gameplay, t'as un flingue. Et Marcus, c'est notre fan de VR. Il y a des actions. Oui, j'ai des actions dans la mer, bien sûr, bien compagnie. Bah, je suis comme toi, figure-toi, je suis sceptique. Alors, j'adore Go, et seulement c'est un jeu rapide, ultra rapide. C'est comme Unreal à l'époque, ces trucs, Quake et tout ça. C'est vraiment un jeu qui joue hyper vite. Et franchement, en VR, c'est chaud. Et à moins qu'il y ait vraiment un framerate absolument génial et tout, potentiellement ça peut vraiment foutre la gerbe, je pense. Parce que ça, faut aller vite, faut jouer vite, t'es obligé. Autant Resident Evil, c'est génial parce que tu prends ton temps, tu visites, tu peux même aller poser la manette et te déplacer physiquement dans les pièces, regarder un peu partout, tu vois. C'est fou les jetons, mais c'est bien, il y a une ambiance, c'est lent, etc. Et ça se prête très bien à la VR. Doom, à mon avis, se prête plus mal à la VR. Les expériences qu'on a eues avec Riggs et tout ça, qui sont des jeux hyper rapides, ça c'est un peu la VR. Celui-là, Gerbomètre. Non, ça fout pas la gerbe, Brunel. Non, c'est que vous êtes pas habitué. Vous êtes fatigué, vous êtes pas habitué, il y avait des nuits. Dédié à des jeux super lents, machin, voilà, les FPS, c'est dur aussi pour les gens, pour la manette, que ce soit clavier sur la manette, mais ils n'arrivent pas. Et avec le casque, ça permet d'ouvrir un peu le genre. Il y avait un autre jeu qu'on avait testé dans une box, c'était pareil, c'était le jeu dans le vaisseau, qui était vraiment dans tous les côtés, là, qui était vraiment très très bien foutu. Super hot VR is
Amazing. Utilizes some of the most awesome game mechanics I've seen in a long time. It's completely different from any FPS you would have played before. It really feels amazing when you have that headset on, and the graphics in it are incredible. It's really fun to get FPS shooting. I mean, this is really good. Bioshock is a space travel simulation game. It does a really good job of making you feel you're actually in an aircraft working in space. It's very fun, and it's made for the Oculus Rift. It's single player, doesn't need internet connection, which is brilliant, and I hate when games need internet connection and a single player. Assetto Corsa, or at least that's how I think you say, is a racing game. Now, this game wasn't actually built VR, but it has VR inside it. If you're looking for a car racing game or a nudge in this 360 world, then this could be it. It does really suck you in and immerse you. The graphics are awesome, and it works out well VR sound. Hover Junkers is basically a your own hover machine, and you have to battle off other hover machines. It sounds kind of like, oh, I just want to play that, but then when you're actually there and have these hover machines, kind of like Fortnite style, trying to smack into you and kill you, and you're just like, it takes no time at all to realize why this game is on this list. Are you looking for a perfect mix of FPS, zombie slash alien creatures, and fear? Well, then you're going to want that effect to VR. Now, this game is quite gruesome, quite gory, lots of blood, kind of reminds me of King of Lost Ark. Again, it's very immersive. You feel like you're stuck into a world, which this game does perfectly. It's awesome. Minecraft. That's why this is in every list I do. It has to be, because come on, who doesn't want to play VR Minecraft? Why do you want to play here? The truth is, it's a game played by millions and millions and millions of people, and has these reviews, so it has to be here. VR. Now, if you want to smash robots against walls and see their body or robot parts explode everywhere, you want to just feel the power of jumping down the street and shooting the crap out of another robot, then Robot Recall is going to blow your mind. It is very good. Again, it utilizes all the VR systems, which is awesome, and like most of these games, honestly, this game gives you control of the Star Trek Enterprise, which all get lost in trouble, and you basically can experience what they would have gone through. Again, the graphics are really high, it's really immersive. Now, I'm not a massive Star Trek fan, so I find it hard to get immersed in this, but I think if you're a Star Trek fan, this is going to be mind-blowing. Digital Nowhere is very different game, which is extremely artistic, extremely creative, and it's definitely for people who like a lot. We find that story is very scenic and beautiful. Now, it does utilize VR, which is really nice to see, and it's kind of creepy, you feel kind of alone sometimes. So if you're into, like, very artistic games, then it's always going to be game resistant. Hopefully seeing the theme on this list. I like games with lots of shooting, lots of aliens, lots of gore, and just lots of explosions happening. And Farpoint has all of that. Plus incredible graphics, amazing mechanics, and full use of VR. Resident Evil 7. Now, if you want to be scared to the point where you probably beat yourself, then Resident Evil 7 with VR is going to accomplish that. Now, it's scarier than any horror you've ever seen, and if you're a horror movie junkie, you will probably fall in love with this. Now, I personally cry if I try and play a game like this, because I'm a baby. That's basically it. But if you're not a baby, and you like to challenge yourself mentally, Resident Evil 7, ladies and gents.